nous allons incliner nos têtes et chacun va se recommander entre mes Seigneur. Précieux Dieu, notre Père céleste, encore une fois, Seigneur bien-aimé, nous venons implorer ton secours, ta grâce et ta miséricorde. Maintenant, Père, que nous voulons nous approcher de ta table, Père. Enfin, Seigneur, de recevoir, Seigneur, de toi, ce que toi tu as destiné pour nous en ce jour. Nous, Seigneur bien-aimé, tournons nos regards vers toi. Et nous te demandons, Père, que tu nous viennes au secours, que tu disposes de nos cœurs, que tu ouvres notre entendement, Seigneur bien-aimé, que tu nous donnes d'écouter comme écoute tes disciples, et que, Seigneur bien-aimé, tu ouvres notre intelligence, afin que nous puissions comprendre, Seigneur bien-aimé, ta pensée. Bénis, Seigneur bien-aimé, chaque frère et chaque sœur, et bénis, Seigneur, celui qui va parler. Nous recommandons tout entre tes mains, dans le précieux nom de notre Sauveur, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. I greet you all in the name of our Lord Jesus Christ. Hier, notre frère Daniel qui devait venir. No, he couldn't make it. He said he's gonna be here tomorrow. Okay. Yeah. Notre frère qui devait venir, je crois que demain. There's our brother who was supposed to come. He'll be here tomorrow. Nous remercions le Seigneur qui nous permet que nous soyons ensemble. The Lord who allowed us to be here this evening. Pour encore avoir un temps de recueillement sa présence. To have some time of worship in his presence. C'est un temps que nous voulons toujours consacrer pour la prière. It is a time we always want to consecrate for prayers. Et nous voulons toujours méditer quelque chose et avoir un grand moment de prière. And we would like to meditate something and to have a great time of prayers. Je m'en vais sans trop commenter sur ce que le psaume que le frère nous a lu. I want to say something on what our brother read. Je voudrais qu'on lise seulement dans 2 Corinthiens. I'd like to read in 2 Corinthians. Au chapitre 5. Chapter 5. Le verset 11. Verse 11. Connaissant donc la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes. Dieu nous connaît, et j'espère que dans vos consciences, vous nous connaissez aussi. Therefore, knowing the fear of the Lord, we persuade others, but what we are is known to God. I hope this is known also to your conscience. Amen. Amen. Et si vous voulez que je continue, il dit. And if you want me to continue, he says. Il dit, nous ne recommandons pas de nouveau nous-mêmes auprès de vous, mais nous vous donnons l'occasion de vous glorifier à notre sujet, afin que vous puissiez répondre à ceux qui vous, répondre à ceux qui tirent gloire de ce qui est dans les apparences. Et non dans le cœur. We are not commending ourselves to you again, but giving you cause to boast about us, so that you may be able to answer those who boast about outward appearance and not about what is in the heart. Il y a une pensée qu'il est en train de dire au verset 11. There is a thought what he's saying in verse 11. Qui résume aussi ce qu'il est en train. Pourquoi il prêchait? Which concludes what was he preaching about? Il dit que nous cherchons à convaincre. He says we are looking to convince. Laissons-nous convaincre par la parole. Let us be convinced by the word. Nous connaissons déjà ce qui concerne notre Seigneur Jésus-Christ. We know about what is concerning our Jesus. Nous Jesus connaissons Christ. Les promesses qui nous attendent. We know the promise which awaits us. Nous connaissons beaucoup de choses. We know many things. Mais pourquoi aimons-nous toujours écouter, venir dans ces réunions de ce genre? Why do we always want to listen and watch over the meetings of C'est this? Puisque nous voulons toujours être vraiment convaincus. It is because we want to be truly convinced. Ne pas avoir un seul espace de doute. Not to have a space of doubt. Puisque la foi, dit-on, vient de ce qu'on entend. Because faith comes from hearing. Et ce qu'on entend de la parole de Christ. Hearing the word of Christ. Et quand on définit la foi, on nous dit. When they describe the faith, it says. La foi, c'est une ferme conviction.
Faith is a firm une conviction, ferme assurance, a firm assurance des choses qu'on espère. Of things that we hope et for. Nous voulons avoir cette foi-là. And we would like to have that faith. Nous voulons être convaincus. We want to be convinced de ce que nous croyons, of what we believe, sans avoir un moindre doute. Without having any doubt. Et c'est pourquoi nous venons toujours pour écouter. That is why we come always et to listen. Je peux vous dire déjà, mes bien-aimés, I can also tell you, beloved, s'il y a quelque chose, if there is something, qu'il faut faire en soi-même, un exercice spirituel, an a spiritual exercise that you have to do, c'est laisser convaincre par la vérité. Is to let yourself be convinced by the Bible. Il y en a qui ne sont jamais convaincus que le monde, il faut abandonner le monde. There are those who are not convinced that we have to abandon the world. Ils pensent qu'il y a des choses que nous pouvons accepter, d'autres non. They think that there are some things that we quoique, can accept and others quoi que not. Nous ayons la connaissance, even though we have the knowledge, on peut lire dans la Bible, we can read in the Bible, mais en, le mettre en pratique, but to put it in practice, comme nous venons de le chanter, as we just read, croire et obéir, trust and obey. Pour croire et obéir, to trust and il obey, faut être convaincu. You have to be convinced. Puisque c'est l'obéissance de la foi. Because it's the obedience of faith. Il n'y a pas un policier derrière l'autre. There are no policemen beyond c'est other. Quand on est convaincu de cœur, it is when you are convinced of the heart. La foi marche avec l'obéissance. Faith works together with obedience. C'est pourquoi le grand problème c'est d'être convaincu. The great problem is to be convinced. Et quand on fait des choses sans conviction, and when you do things without being convinced, on lutte, la conscience n'est pas tranquille, on pêche même contre soi-même. Your conscience is not laissons-nous convaincre par la vérité. Let us be convinced by the truth. Et le but de la parole de Dieu, and the goal of the word of God, Paul l'a dit dans 2 Timothée. Paul said in 2 Timothy au chapitre 3, chapter 3, nous connaissons l'écriture au verset 16. Verse 16. Toute écriture est inspirée de Dieu. All scriptures is breathed out by God and profitable. Et utile pour enseigner, pour convaincre. And profitable for teaching, to reprove, for correction. Pour corriger, pour instruire dans la justice. And for training in righteousness. Amen. Amen. Afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. That the man of God may be complete, equipped for every good work. Donc quand on lit l'écriture, when we read the scripture, elle doit nous convaincre. It has to convince us. Et c'est cela le but pour lequel ces choses ont été mises and par that is the purpose, the reason why these things were c'est put in the Bible. Convaincre. Is to get convinced. Quand quelqu'un peut arriver à un point où on dit, when somebody can en come tout cas, to il ne m'a pas convaincu. And say, vous êtes dans he un didn't danger. Convince me. You are in aucun danger. De nous ici ne peut convaincre l'autre. Nobody here can convince the another. Si tu refuses, tu refuses. If you, receive, you receive. That's all. Nous ne sommes pas dans un monde philosophique où les arguments de l'autre. Non. We are not in a la parole de Dieu est la vérité. The word of God is the truth. Et nous nous laissons convaincre par la parole. And we let ourselves convince by the on word. On abandonne ses positions. We forsake on prend the positions, la position de la parole. And we take the positions of the word. Et bien-aimés frères, and beloved brothers, ce que nous avons lu là, what we just read, Paul dit que vous-même vous êtes témoins. Paul said, you yourselves are witnesses. Nous ne nous recommandons pas nous-mêmes auprès de vous. We do not recommend yourself mais nous cherchons à convaincre. But we look to be convinced. Tous les hommes. Everyone. Il est convaincu avec quoi? And to convince them ce with n'est what? Pas avec ses arguments. It's not with argument. Mais il montre dans Timothée ici, but he's showing in Timothy here, que toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour convaincre. That all scripture is inspired by God and to convince. Et donc la parole de Dieu doit nous convaincre. The word of God has to convince us. Alors bien-aimés frères, beloved brothers, regardez quand nous prenons certains exemples dans la parole de Dieu. When we take certain examples in the word of God. Vous verrez que ce sont des gens qui ont attendu et fait une expérience. You see that these are people that waited and did ils an ont experience. Été convaincus. They were convinced. Et c'est pourquoi ils en parlaient. And that is why they spoke. Mais quand vous avez quelqu'un qui n'a pas fait l'expérience, when you have somebody who haven't experienced qui n'a yet, pas touché la réalité, who didn't touch the reality, qui n'est pas convaincu, who is not convinced, alors vous verrez aussi que you c'est quelqu'un qui parle des lèvres mais dans le cœur il n'est pas convaincu du tout. But in his heart, he's not convinced at all.
Nous ne voulons pas parler de la religion ici. We cannot talk about religion here. Nous voulons, lorsque nous disons que Jésus-Christ est mort pour nos péchés, we want, when we say Jesus Christ died for our sins, nous en parlons avec conviction. We speak with conviction. Nous sommes convaincus que c'est pour moi. We are convinced that it's for me. C'est pour moi qu'il est mort. It's for me that he died. Quand nous parlons du retour du Seigneur, when we speak about the returning of the Lord, nous ne parlons pas comme des gens qui disent Jésus va venir. Non, non. Let's not speak like nous those people that say les Jesus signes is coming. De temps. We are seeing the signs nous of sommes time. Tellement sûrs et convaincus we are so que sure and convinced Jésus va revenir. That Jesus is coming. Donc tout doit être pour nous all has to be des for choses us. Que nous parlons avec conviction. Things that we speak of with conviction. Je crois que c'était dimanche où je parlais de avoir honte de Dieu. I believe it was Sunday when I spoke about on being shameful honte of de God. Dieu quand on n'est pas sûr. You are shameful of God when on you when you embarrassé. Are not sure. We are embarrassed. Et Frère Branham pouvait dire Brother Branham could say que les gens ne témoignent pas and people don't testify ils n'ont pas la conviction because they don't have the conviction. Ils n'ont pas fait l'expérience. They haven't experienced yet. Je voudrais vous faire entendre une petite séquence. I would like to make you hear dans sa prédication, small... Vous allez un peu suivre. Je, you can comme follow. Il n'y a pas d'image pour ça, c'est juste. There are no images for it. It's just the audio. Vous allez entendre. Viens et vois par toi-même. Je ne sais pas. Maintenant, ils disent que c'était le soir. Aussi, on dit passe la nuit. Oh, c'est une bonne manière. Il demeura jusqu'à ce qu'il fût convaincu ce que cet homme lui avait dit cette nuit-là, ce qu'il lui avait dit et ce qu'il fit. C'était quelque chose qui avait complètement convaincu André qu'il était le Messie. Le jour suivant, de très bonne heure, j'imagine, il prit son manteau, son chapeau et partit, car Pierre devait aller à la pêche, à la rivière, et il dit, viens et vois qui nous avons trouvé, c'est le Messie. Il était convaincu. Lorsqu'il fut parfaitement convaincu que c'était le Messie, il était concerné au sujet de son frère. C'est le cas ce soir. Les gens ne sont pas convaincus du message. Les gens ne sont pas convaincus au sujet du Saint-Esprit. Si vous devenez réellement convaincus, vous serez alors concernés. Vous ferez tout ce que vous pouvez pour faire ce que vous devez en faire. Vous dites, bien, frère Branham, mais je ne suis pas un prédicateur. Bien, vous pouvez faire quelque chose aussi. Souvenez-vous une fois, nous avons eu une réunion. Il y avait un fermier qui fut sauvé. Ce que je voulais que vous puissiez entendre. What I wanted you to hear. C'est quand il dit, when he said, les gens ne parlent pas de ça puisqu'ils ne sont pas convaincus. People are not speaking about this because they are not convinced. Et ça, c'est une réalité. And this is a reality. Quelqu'un qui est vraiment, qui est convaincu d'une chose, someone who is convinced of something, concerné, he feels concerned, parle, and he speaks. Et cela, vous pouvez le voir. And you can see it. Ce n'est pas quelque chose qui est une théorie dans la tête. It's not something that is a theory non, in your une head. Non, c'est une conviction. It's a conviction. C'est quelque chose dont il est sûr. It's something that he's sure of. Et comme il le dit là, vous pourrez dire, je ne suis pas un prédicateur. As he's saying, you cannot say that il I'm. Il allait donner un I'm exemple d'un preacher. D'un frère, he was giving a lorsqu'il a rencontré brother, le Seigneur Jésus-Christ, when il a cru. When he met the Lord and believed, il avait un camion dans le temps ancien là. Il va, il a ramassé, il avait amené beaucoup de gens à Christ. He, in the old time, he brought many people to Christ. Il avait allé avec son camion, son, donc with, son véhicule. With his truck. Il amène beaucoup de gens he was bringing many people pour qu'ils viennent à la campagne et qu'ils écoutent la parole so de that Dieu. They may come and listen to the word. Puisqu'ils voyaient qu'il avait touché à la vérité. He saw that he touched the truth. C'est ce qui se passe. That is what's happening. Tout ce qu'il y a dans la parole de Dieu, all that is in the word of God, laissons-nous convaincre par la vérité. Let us be convinced by the truth. Et notre comportement sera automatiquement conséquent. And our behavior will be... Et s'il y a quelque chose que nous pouvons prier ce soir, if there's something that we can pray tonight, je désire que chacun de nous, I desire that each one of us, se référant à ce que le Seigneur Jésus a dit lui-même, refer to what the Lord himself said, que le Saint-Esprit lorsqu'il viendra, that when the Holy Spirit will come, Évangile selon Jean chapitre 16, Jean chapitre 16, John 16, verset 7, il est dit qu'il vous convaincra. He said he will convince you. Le Saint-Esprit vous convaincra. The Holy Spirit will convince you. Du péché. Of sins. De la justice. Of righteousness. Et du jugement. And judgment. Personne ne peut convaincre quelqu'un
un autre que ça, c'est un péché. No one can convince the other person. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. It's the work of the Holy Spirit. Que le Saint-Esprit vous fasse discerner quelle est la volonté de May Dieu. The Holy Spirit discern you what is the will of God. Et qu'il vous fasse discerner aussi la justice. May also discern you what is the righteousness. Puisque Christ est mort et ressuscité pour nous. For God died and risen for us. Que vous vous laissiez convaincre que vous avez été justifié. That you may let yourself convince that you were justified. Et du jugement. And of judgment. Sachant que l'ennemi Satan a été déjà jugé. Knowing that the enemy, the devil, was judged. Et c'est pourquoi nous voulons demander à Dieu. That is why we want to ask que le Saint-Esprit descende sur chacun de nous. That the Holy Spirit may come upon pour each le one of convaincre. Us, to be convinced. Être convaincu, parler de cœur. Be convinced. Agir avec le cœur. Act with the heart. Quand on dit que le monde est mauvais, vous ne parlez pas seulement. Frère, when he said the world is bad, don't non, just say. Vous sentez que le monde est mauvais. You feel that the world et is vous bad. Vous en êtes convaincu. That you are convinced. Que ceux qui suivent cette voie-là, c'est une voie de la perdition. That those that follow that path is a path of perdition. Vous n'allez pas blaguer avec ça puisque vous savez vous-même que c'est la voie de la mort. You cannot play with it because you know yourself that it's the way of death. Regardez bien aimé les exemples que nous pouvons suivre dans la Bible. You can see all these examples we can follow in the Bible. Il y a des gens qui il écoute ou bien il a qu'est-ce que c'est sur un point. There are those people that hear and they have questions encore sur question un point. Marks on il, some il things. Ne veut pas s'approfondir. They don't want to go deep. Jusqu'à ce que la chose devienne claire dans son cœur. Until when the thing is clear in their heart. Il se lève. They wake up. C'est ainsi que quand on rencontre un autre discours différent, when you meet another a different speech, vous verrez quelqu'un changer. You see someone change. Le comportement, vous dites, mais their behavior change. C'est pas possible. It's not possible. Ce frère devait déjà c'était un homme mûr. This brother was il n'était mature pas man. Mûr, il n'était pas convaincu. He wasn't mature. He wasn't convinced. Ne soyez pas comme Eve. Don't be like Eve. Eve, elle avait entendu she heard que c'est mauvais, that it's bad, ça c'est bien, this is ça good. Dieu a défendu. This God forbid. Son prophète qui était Adam, his prophet, qui était Adam, son pasteur, son prédicateur, he was his pastor, his preacher. Il lui a dit ce que Dieu leur avait dit. He told her what God told them. Mais est-ce qu'elle en était suffisamment convaincue? But was she convinced? Quand quelqu'un est venu avec un discours, when somebody comes with a speech, il ne fallait même pas l'écouter. You're not supposed to mais elle a hear écouté, it, but she heard it. Elle a été convaincue. She was convinced. Par une erreur, sa error, vision a changé. Her vision changed. La Bible dit, elle vit que l'arbre était bon. The Bible says she saw that the elle tree vit was que good. C'était agréable. She saw that it was agreeable. Et c'est ainsi qu'elle pouvait se plonger dans le péché. That is why she puisque sa vision avait changé. Because her vision changed. Mais si vous lisez dans la Bible, if you read in the Bible, ceux qui étaient convaincus, those who were convinced, ils n'ont pas cédé à Satan. They did not surrender to the quand devil. Le Seigneur Jésus-Christ est venu, when the Lord Jesus Christ came, il était convaincu. He was convinced. Il était sûr. He was sure. Qu'il est le Fils de Dieu. That is the Son of God. Il était sûr he was sure que le royaume là that the kingdom lui est donné. Was given. Il le possédera. He will possess it. On a voulu le présenter par Satan. Satan wanted to present him. Si tu t'agenouilles, if you je te donne aujourd'hui, down, aujourd'hui I will give you tu today. As tout ça. You have all this. Il ne voyait pas le présent. He didn't see the present. Lui savait. He knew quand Satan venait avec des écritures mal interprétées. When Satan was coming with scriptures which were badly interpreted. Il lui dit, il est écrit. He said it is written. Le Seigneur ne cédait pas. Jesus, the Lord didn't surrender. Il savait que. He knew that. Et très convaincu. And convinced. Que toutes ces choses ici, que cet homme, cet ange de malheur est en train de prononcer. All these things, this angel. Sont mal placés. Is saying a badly placed. Il savait qu'il possédera le royaume. He knew that he possessed the kingdom. Il lui a résisté. He resisted. Mais Eve, la vision a changé. But Eve, the vision changed. Elle a cru. She believed. Elle a commencé à voir les choses autrement que c'était bon. She saw things in other way that it was good. Dieu a appelé ça la mort, toi tu appelles que c'est bon. God is calling this death and you calling it good. Tu vas expérimenter réellement la mort. You will experience the death.
Mais regardez les gens qui ont pris le temps d'examiner, d'approfondir quelque chose. Look at the people who had the time to examine and to go deep. Vous prenez par exemple dans la Bible un homme comme Jean-Baptiste. You can take somebody like John the Baptist. Je ne sais pas si vous avez déjà examiné dans la Bible. I don't know if you have examined pourquoi in the Bible. Pourquoi il est resté longtemps what dans le désert depuis 9 ans? Why did he stay in the desert since 9 years old? Qu'est-ce qui lui avait dit maintenant de quitter, de venir là où il y avait des gens? What told him to leave and come where there were people? Il a fait des expériences là-bas. He experienced there. Il en était tellement convaincu. And he was convinced. Au point où Jésus disait, vous n'êtes pas allé voir un roseau. To the point where Jesus said, you didn't go see a... Quelqu'un qui aujourd'hui on dit ça, il est dedans. Someone who... Ça change, ça devient ça, il est dedans. Non. And the other day they said this is... Vous n'avez pas vu un roseau agité à tout vent. You haven't seen a horse that has C'était un homme sûr. He was a sure man. Convaincu. Convinced. Il sait que la vérité est unique. He knew that the truth was unique. Nous pouvons dire, ah, frère, la Bible, la vérité est la vérité. Say, brother, the Bible, mais quand the truth. On lit la Bible, nous devons la croire but when, et la garder telle qu'elle est. When the Bible is read, we have to believe it and keep it the way it is. Jean était l'un de ces gens. John was one of those people qui croyait réellement. Who believed really? Il est resté là-bas quand il est venu. He stayed there and when he came, il a connaissait les signes qu'on lui avait dit. He knew the signs which was told. C'est lui sur qui tu verras le Saint-Esprit descendre comme une colombe. You will see the Holy Spirit coming as a dove. Il présente aux gens, il dit, voici l'agneau de Dieu. He presents to people that this is the Lamb of God. Les gens ont entendu. People heard. Tellement qu'il était convaincu. Il le voit encore passer. C'était son discours. That was his quand speech. Vous êtes vraiment convaincu, vous en parlez. When you are convinced, you il speak. Reprend. Voici l'agneau de Dieu he qui said, le. Behold the Lamb of God. Partout il voyait Jésus. Everywhere where he sees Jesus. Son rôle était de le présenter. His role was to present him. C'est celui-ci. This is the one. On me l'avait dit. They told et j'avais vu. And I saw. Et les gens ont quitté. And people left. Jean-Baptiste, ils ont commencé John à le the suivre. Baptist and follow Jesus. Vous connaissez ce qui est dit dans Jean. You know what is written in John. Le premier évangile selon Jean. John. Jean chapitre 1er. John chapter 1. À partir du verset 35. From chapter, verse 35. Vous voyez d'abord au verset 29. 29 first. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et ça, c'est le verset 29. Maintenant, au verset 35. 35. Le lendemain, Jean était encore là avec deux de ses disciples et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, voilà l'agneau de Dieu. Et les disciples l'entendirent prononcer ces paroles et suivirent Jésus. Amen. Donc il parlait, il montrait toujours, voici l'agneau de Dieu. He was presenting, behold the Lamb of God. Qui ôte le péché du who monde. Takes away the sins of the world. Jusqu'à convaincre les gens until, to, que c'était lui l'agneau de Dieu. That he was the Lamb of God. Et nous voyons un homme comme André. And we see a man like Andrew. Il était le frère de Simon, he was a brother of Simon, que nous appelons Pierre. Which we call Peter. Pierre n'était pas le disciple de Jean. Peter was not a disciple of John. Il n'était pas là-bas quand Jean-Baptiste présentait. He wasn't there when John the Baptist was presenting. C'est son Jesus. Frère André qui avait entendu. His brother Andrew heard. Mais il n'a pas couru puisqu'on lui a dit voici l'agneau de Dieu. He didn't run because they told him behold the Lamb of God. Il a suivi Jésus. He followed Jesus. Le Seigneur se tourne et il leur dit. The Lord turned and said to them. Qu'est-ce qu'il y a? What is it? Et il leur dit. And he said to them. André dit au Seigneur Jésus-Christ. Andrew told Jesus Christ. Il lui dit, Seigneur, nous voulons savoir où tu demeures. He said, Lord, we would like to know where you dwell. Nous voulons rester avec toi. We would like to remain with you. Être convaincu de ce que tu y es. Be convinced with what you are. Jésus leur a montré là où il demeurait. Jesus told them where he was staying. Et ils sont allés avec André. And they went there with et Andrew. Et les disciples qui l'avaient suivi. And the disciples ils sont restés là-bas. They stayed there. La Bible dit depuis la dixième heure.
The Bible said since they ils sont restés là-bas hour, toute la nuit. They stayed there all night. Le lendemain, the next day, étant convaincus, being convinced, ils ont commencé aussi à parler. They started to speak. On ne parle pas des choses dont on n'est pas convaincu. You don't speak of things that you are not convinced Il of. Faut savoir de quoi vous parlez. You have to know of what you are vous talking êtes sûr about. Que ce que vous dites est la vérité. You are sure of what you are talking Et about personne that is the ne truth. Peut vous bouger. And no one can move you. Et c'est lui qui est allé. And he's the one who went. Il est allé, il a trouvé son frère. He went and found his brother. Son frère Simon. His brother Simon. Il dit, Simon, nous avons trouvé celui dont Moïse a parlé. He said, Simon, we found the one that Moses spoke of. Qui? Il dit, c'est le Messie. He said, who? He says, the Messiah. C'est-à-dire le Christ. Which means Christ. Et Simon s'est dit, bon, je vais aller aussi voir. Simon said, I'm going to see. Quand Simon avance, when Simon went, Jésus le voit et le dit, Jesus saw him and said, tu es Simon. You are Simon. Et le discernement entre. And the discernment came in. Il dit, ton fils de Jonas. And he says, donc ton père s'appelle Jonas. Your father et is il lui dit, Jonas. On t'appellera plus Simon. And we won't call tu you seras Simon. Cephas, you'll be called Cephas, ce que nous appelons Pierre. Which we call Peter. Et il ne pouvait pas discuter. He could not lui-même argue. A fait l'expérience. He himself experienced. Et Pierre est l'un des anciens dont nous And parlons Peter dans la one Bible. Of those elders that we are talking about. Il est allé en rencontre du Seigneur lui-même. He went and met the Lord himself. Et il a pu expérimenter. And he experienced. C'est ainsi quand il nous parle. That is why when he speaks, il ne parle pas des choses qu'il a appris. He's not talking about things that lui-même he learned. A vécu. He himself lui-même lived them. A expérimenté. He himself experienced it. Dieu a voulu que God wanted that la repentance, the repentance, le pardon des péchés, the forgiveness of le salut, salvation, ne soit pas prêché par les anges. Not be preached by angels. Non, il a voulu des hommes comme nous, he wanted people like mais qui you ont expérimenté aussi ça, who experienced these qui peuvent things, dire aussi aux autres who could say to others que Jésus sauve, that Jesus saves, Jésus pardonne, Jesus Jésus guérit, Jesus heals, Jésus console. Jesus ce comfort. Sont des gens qui eux-mêmes those are the people that par les choses par lesquelles ils sont passés, by the things which they ils ont appris, they learned, ils ont vu they saw que Jésus est bon, that Jesus is ils good, en parlent aux autres. And they speak of him to others. Si toi-même, if yourself, tu n'as pas expérimenté le pardon de tes péchés, you haven't experienced the forgiveness quelle conviction of your tu auras pour dire what Jésus pardonne would you have that Jesus is ta vie est telle qu'elle était avant. Your life is the way it is. Tu ne peux pas en parler. You cannot speak. Mais celui qui a reçu ce pardon, but the one who received il a la conviction, has the conviction et il peut en parler. And can speak of car these il things. Sait de quoi il parle. For he knows of what he's talking about. Il va dire comme Paul, he will say nous étions de ce nombre. Donc il connaît ce qu'il faisait. They knew what they were doing. Nous étions de ce nombre là. We were among them. Nous nous agissions comme cela. We were acting like mais them. Maintenant en Christ, but in Christ, nous avons été régénérés. We have been renewed. Alors vous regardez quand vous continuez dans ce livre de Jean. When you continue in the book of John, regardez ce qui va arriver plus tard. Je parlais déjà d'André. John, et John oui, chapter, on nous dit au verset 42. Verse 42, toujours dans Jean chapitre 1. John chapter 1, 42. Nous pouvons commencer dès le verset 41. We can start from 41. Ce fut lui, donc André, qui rencontra le premier son frère Simon et lui dit, nous avons trouvé le Messie, c'est ce qui signifie Christ. He first found his own brother Simon and said to him, we have found the Messiah, which means Christ. Et il le conduisit vers Jésus. And he brought him to Jesus. Jésus l'ayant regardé dit, tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Cephas, ce qui signifie Pierre. Jesus looked at him and said, you are Simon, the son of John. You shall be called Cephas, which means Peter. Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée. Il rencontra Philippe et lui dit, suis-moi. The next day, Jesus decided to go to Galilee. He found Philip and said to him, follow me.
Et Simon aussi, et Philippe aussi, quand lui va faire l'expérience, and when Philip will experience, il va appeler aussi un autre. He will also call Nathanael. Someone else, Nathanael. Nathanael, quand il veut discuter, Nathanael, when he wanted Philippe to argue, était tellement convaincu. Philip was convinced. Il lui dit, viens voir. He told him, come and see. Il avait vu des choses. He saw il dit, viens voir. And he told him, come and see. Il dit, ah, est-ce que de Galilée peut venir quelque chose de bon? What of good can come from Galilee? Viens voir, il était sûr. He told him, come and see. Que quand il viendra, lui-même il va voir. And when he came, he himself saw. Nathanael en train de venir. And Nathanael came. Le Seigneur lui dit, voici un Juif dans lequel il n'y a point de faute. And Jesus said, behold a Jew. Il dit, mais où est-ce que tu m'as connu, Seigneur? And he said, where do you know me from? Il dit, avant que Philippe ne t'appelle. Quand tu étais sous le figuier là, je t'avais vu. He said, before Philip called you, when you were on the fig tree, I saw you. Comment ne pas croire? How not to believe? Il était aussi convaincu lui-même. He was also convinced. C'est comme ça que la parole se répandait au début. That is how the word was. Des gens convaincus, people convinced, qui appelaient aussi les autres, non pas à se joindre à une religion, not to come to a religion, mais à aller vers Jésus, but to go towards et faire Jesus des expériences. And experience. Et vous ne verrez personne ici qui allait pour critiquer le pasteur d'un tel, pour arracher. Non, non. From ce n'est pas question de parler. No bon, Jean-Baptiste, là, tu ne vous le connaissez pas, non. Ils parlaient de Jésus puisqu'ils ont rencontré Jésus. No, it's speaking of Jesus because parlons de Jesus. Ce que nous avons. Combien Jésus est bon, let's speak of why que les Jesus gens is good, croire, so that people may believe, qu'ils soient aussi convaincus. That may, they may be je ne sais convinced. Pas si vous aussi vous êtes convaincus, I don't know if you que also nous sommes à la fin des temps. That we are at the end of times. Disons-le. Let's say, que le Seigneur nous donne du courage. May the Lord give, qu'il give nous us donne courage. La force. Give us pour the dire strength, à tout le monde que nous sommes à la fin des temps. To say to everyone that we are at the end of time. Les signes des temps sont là. The signs of times are here. Les choses commencent à se précipiter. Things are. Ça prend des allures. J'ai toujours dit ça. Mais I've always said this, beloved brothers. Regardez le président américain. Look quel est son voyage? American president. What is his trip? N'est-ce pas les trois grandes religions dont le frère Frank parle depuis longtemps? Isn't the three great religions that la religion musulmane, spoke of long time ago? Le judaïsme the et la religion chrétienne représentée par l'Église catholique. And the Christian religion. Si les trois là s'accordent. If those, all those three pour come together, Jérusalem, so that Jerusalem, ils aient droit sur Jérusalem, that they may have the rights on Jerusalem, et qu'on autorise à Israël, and that they may authorize de rebâtir Israel son temple, to build the temple. Mais qu'est-ce qui va rester? What will remain? Ils n'auront qu'à signer le traité. They only have to sign the, or the en treaty. Signant le traité, nous ne devons pas être dedans. But by signing the treaty, we won't. Dieu va tourner le regard vers Israël. God, we turn mais to ayez Israel. Les yeux ouverts. Have your eyes open. Nous ne disons pas, nous nous posons seulement la question, est-ce le temps? We just ask ourselves, is it the time? Nous ne disons pas que c'est demain ou après-demain. We don't say it's tomorrow after mais tomorrow. Mais nous voyons vraiment un triangle qui se dessine. But we see a triangle which is donc quelque drawn. Chose est en marche. Something is nous ne savons works. Pas quand, we don't know when, mais soyons prêts. But let dans us nos be ready. Cœurs. In our heart, nous n'attachons le retour de Christ à personne. We don't attach the returning mais of the Lord to anyone. Dieu avec les signes. But God with the signs. Nous devons bien aimer être éveillés. We have to be. We have ne to soyons watch. Pas distraits. Don't be distracted. Ne soyons pas distraits. Don't be distracted. Qu'il n'y ait pas d'interruption. Qu'il n'y ait pas une interruption dans notre zèle pour le Seigneur. Let there be no. Donc, je me souviens de ce que le frère Sam nous avait dit what the pendant Sam qu'il said, nous avait prêché de l'autre côté. When he preached, on the other side, il parlait de la constance. Donc, il he faut que nous puissions constant. Que les, si vous avez le zèle, que le zèle soit constant if à tout have, moment. If you have qu'il n'y ait pas toujours le haut et le bas. Vous ne savez pas. Let not be c'est peut-être quand tu know. Vas être down là, le Seigneur. Maybe when you are down, the Lord. Nous ne devons pas être des gens comme ça. We shouldn't be people who soyons are up and constants. Down. Let's be constant.
Vous avez cru, vous êtes attaché, et c'est pour toujours. And it's forever. C'est pas aujourd'hui vous attachez. Not today. Today you are attached. Tomorrow you. Ça ne va pas. Il parlait de l'arbre. Peut-être demain Dieu voulant. He was talking of the tree. Maybe tomorrow we can. Comprenons bien, mes frères. Let's understand, brothers. Le Seigneur va venir à un moment où nous ne sait pas. The Lord will come in a time where. Laissons-nous convaincre par la parole. Let us be convinced by the word. Car les signes des temps nous montrent. For the signs of time. Que le Seigneur vient bientôt. He's showing us that the Lord is coming soon. Et que nous soyons convaincus. Let us be convinced. Il y en a qui en parlent, mais ils ne sont pas convaincus. But they are not convinced. Bon, c'est bien, mais it's nos good. Vies doivent montrer réellement. But our life has to show. Quand je voyage ou when quand I, vous voyagez, when tous, travel, when you chacun travel, de nous, il n'y a personne qui n'a jamais voyagé. There's no one here quand vous never vous traveled. Préparez ou vous êtes prêt à voyager, when you are preparing yourself, on sait voir. We can see. On sait le voir. We can see. On peut crier là-bas. Oh, il y a ceci. Vous n'irez pas. There, vous attendez déjà que. Soit votre vol va venir. Because you are waiting for your flight. Vous n'avez plus le temps d'aller courir là-bas. You don't have the time to. Si c'est le train, vous êtes déjà prêt. If it's the train, le train n'attendra pas quelqu'un. The train won't wait for dès anyone. Qu'il arrive à l'arrêt, ceux qui sont prêts entrent et ils passent. Those are ready, they go in and they go. C'est ce que nous sommes bien aimés, frères. That's what we are. Le temps de préparation c'est maintenant. The time of preparation nous ne voulons is pas now. Être distraits. Let not be distracted. Que notre comportement montre que nous sommes convaincus. Let our behavior que show le that Seigneur we are convinced vient. That the Lord is coming. Nous en parlons. Let's speak. Autrefois, les disciples, c'était même leur salutation. Other time, the disciple that was ils the greeting, se disaient Maranatha. They were saying Maranatha. Jésus revient. Jesus is coming. Ils étaient sûrs, ils pensaient que c'était à leur temps. They were sure. They thought that it was ils in their time. Paul écrit ces choses. Consolez-vous avec this ça. Thing, comfort yourself. Ils pensaient with que c'est à leur temps. They thought that it was Jésus allait revenir. Time that Jesus will come. Mais ça fait 2000 ans. But it's il ne pouvait pas venir à leur temps. He couldn't come in car time. Paul écrit, for Paul il ne wrote, pouvait pas parvenir à la perfection sans nous. They could not come to perfection without us. Donc si eux-mêmes ils étaient parfaits en Christ, if they were perfect in mais Christ, le corps but the body ne pouvait pas être parfait, could not be perfect, complet, complete, sans que nous aussi nous soyons. Without us et maintenant, there. Nous sommes dedans. And now we are les in signes there. Montrent que, the signs shows à l'allure où vont les choses, the way things il are going, n'y a plus un autre âge après nous. There are no other, ages après after nous, us. C'est le départ. After us is the, un âge qui verra les morts ressusciter, c'est nous. The age that we see people come to life is us. Paul en a parlé. Paul spoke. Mais ils n'ont pas vécu but ça. They didn't see this. Ils croyaient que les morts reviendront à la vie. They believed that dead people mais come notre back to âge life. Ici, but our age, nous verrons les morts ressusciter. We will see dead people come to life. Notre âge ici, our age, nous verrons des gens disparaître. We will see the, dans ce que nous appelons enlèvement. Of what we call the rupture. Donc une transmutation du corps. A transformation of c'est the body. En notre temps. It's in our time. Au temps de Paul, in the time of Paul, ils sont tous morts. They all died. Dans l'espérance. In hope. Ils sont, ils se reposent. They are mais resting. Nous, but us, nous pouvons dire avec assurance, we say with assurance, nous ne mourrons pas tous. But all of us won't die. Ce n'est pas par audace, it's not by mais audacity, le Seigneur Jésus a dit, Matthieu chapitre 24, Matthew 24, verset 32, verse 32, tirez l'exemple du figuier, take the example of the et quand vous descendez, il dit, la génération says, qui verra ces choses, the generation that we see these cette things, génération-là ne passera pas. That generation will not pass. Le ciel et la terre passeront. Heaven and earth will pass, mais sa parole ne passera pas. By his word will never pass. Comment ne pas être convaincu? Why not be convinced? Que nous verrons. That we will see. Bien-aimés frères, beloved brothers, laissons-nous convaincre par la parole. Let us be convinced by the word. Croyons de tout notre cœur. Let's believe with all our heart. Jésus croyait tellement qu'il pouvait défier. That he could defeat. Il détruisait ce temple. He said, destroy this temple. Il savait qu'il y avait un verset lié à sa mort. He knew that there was a verse linked to his chapitre death. 16. Psalm 16, verset 10. Verse 10. Je ne permettrai pas I will not permit que son âme demeure dans le séjour des morts. That his soul remains in the in que those days of death. Que juste voie la corruption. That my righteous see the corruption of the body.
Ils croyaient ça. They believed this. Et ils pouvaient dire alors. And he could say. Détruisez ce temple. Destroy this temple. En trois jours. In 3 days. Je vais le relever. I will build it up. Amen. Amen. Il était sûr. He was sure. Est-ce que vous aussi, vous connaissez aussi les écritures qui sont liées à vous? Que vous pouvez aussi prendre ce soir et dire, je m'accroche à ça, comme c'est écrit, ça me concerne. It concerns me. Prenons un peu une écriture. Let's take a scripture. Genèse chapitre 22. Genesis 22. Genèse 22. Genesis 22. Nous voyons le verset 17. Verse 17. Quand Abraham avait obéi, comme le frère nous a fait chanter, croire et obéir. As Abraham obeyed, like the brother sang, trust and obey. Maintenant, le verset 17, il est dit. Verse 17, it says. Je te bénirai. I will surely bless you. Et je multiplierai ta postérité. And I will surely multiply your offspring. Comme les étoiles du ciel heavens, et comme le sable qui est sur le bord de la mer. And as the sand that is on the seashore. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. And your offspring shall possess the gates of his enemies. Amen. Amen. Et il va dire, toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Parce que tu as obéi à ma voix. And in your offspring all shall all nations be of the earth be blessed by because you have obeyed my voice. Amen. Amen. Regardez un peu une écriture comme ça. Look at such a scripture. Quand nous la lisons, when we read it, est-ce que vous l'attribuez à quelqu'un d'autre? Do you attribute it to somebody else? Quand la dernière partie ici de ce verset 18 où il est dit toutes les nations. The last part of the verse 18 where it says. Vous savez quand le frère prend ça en rapport avec Matthieu 24? You know when the brother is taking this in. En Matthieu 24 il est dit. In Matthew 24. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée à toutes les nations. This good news of the kingdom will be preached to all nations. Et viendra la fin. And the end will come. Et il est relié toujours avec Genèse 22, verset 18. And he links this with Genesis 18. 22, verset 18. Genesis 22, verse 18. Là où il est dit, toutes les nations seront bénies. Where he says all nations will be blessed. Toutes les nations doivent entendre. All nations have to hear. Comme Jean a vu dans l'île de Patmos. Like John saw in the hill of Patmos. Là il est dit. Il a vu les gens de toutes langues. He saw people of all de toutes nations. Tongues of all nations. Mais prenons le verset 17 là. Let's take verse 17. La Bible dit. The Bible says. Parce que Abraham tu as obéi. Because Abraham believed. Voici obeyed, tes bénédictions. These are the blessings. Je vais te multiplier. I will multiply you. Dieu a-t-il multiplié Abraham? Did God multiply Abraham? Nous disons amen. We say amen. Cela nous voyons. We see it. La nation est là. The nation is there. Ils se réclament tous d'Abraham. They reclaim to be même of Abraham. Une partie des Arabes. Even a part of Arabs. Ils connaissent qu'ils sont les descendants d'Abraham. They know that they are the offsprings of Abraham. Dieu l'a multiplié. God multiplied. Et la postérité qu'il lui avait promise, il les lui avait donné. And the offspring that he promised, he mais gave it comme to Dieu as God a fait que la postérité naturelle that the natural sortie d'Abraham comes from Abraham, a possédé les portes de ses ennemis. Possesses the gates of the enemies. La terre que Dieu leur donnait the land that God gave était une terre occupée. Was a land that was occupied. Il y avait des nations là-bas. There were nations there. Mais Dieu leur avait donné. But God gave it to them. Ils sont venus. They came. Les fils d'Anak. The sons of Anak. Les Jébusiens qui étaient là. The Jebusites who les were géants there. Qui étaient là. The giants who were there. Ils les ont vaincus. He conquered them. Car la Bible avait dit. For the Bible ta descendance your offspring possédera les portes de ses ennemis. Will possess the gates of il a confirmé cette promesse au temps de Josué.
He confirmed this promise in the time of Joshua. Partout où foulera la plante de tes pieds, je vous le donne. Wherever you step, I will give it to you. Donc ils ont possédé. They possess. Si la descendance naturelle d'Abraham natural offspring a possédé tous ces portes, possesses all these savez-vous days, que vous tous qui croyez, you know that you all who believe, vous êtes fils d'Abraham. You are sons of Abraham. Nous avons pour père Abraham. We have Abraham as our le modèle father, de la foi. The model of faith. Et croyez aussi que and believe also that vous devez posséder you have to possess les portes de vos ennemis. The gates of your enemies. Aucun péché ne doit vous résister. No sins can aucune resist. Maladie ne doit vous résister. No sickness. Est-ce que vous croyez resist? Ça? Do you believe this? Laissez-vous convaincre. Let yourself be convinced par la vérité. By the truth. Pour que vous puissiez dire so that you may say, que peut me faire un homme? What can a man do to me? Dieu est avec nous. God is with us. C'est comme ça qu'ils ont marché. That is how they walk. Si vous marchez selon la vue, if you walk, vous serez déjà the sight, des plaintes you will be people sans conviction. With no conviction. Ils se plaignent comme le monde. They are complaining ils like parlent the world. Comme tout le monde. Ils parlent comme tout le monde. They speak like everyone else. Ils n'ont aucune promesse. They have no promises. Et vous serez malheureux. And you will be, mais je vous exhorte. But I'm exhorting au nom du Seigneur. In the name of Jesus. Abandonnez votre position. Abandon your position. Prenez la parole de Dieu. Take the word of God. Et dites comme il est dit. And say like it is said. Dans Hébreux 13. In Hebrews 13. Verset 5. Verse 5. La Bible dit. The Bible says. Ne vous souciez pas. Don't worry. Comment vous pouvez vous enrichir? How you can be rich? Il y a une promesse pour vous. There's a promise for Dieu you. Dieu a dit. God said. Je ne t'abandonnerai pas. I will not abandon you. Je ne te délaisserai pas. I will not abandon you. Est-ce que vous pouvez le dire? Can you say it? Soyez convaincus. Be convinced. Que Dieu ne m'abandonnera pas. That God will never forsake me. Ce n'est pas à cause de ma justice. It's not because of my righteousness. Regardez quand il a promis à Abraham. Look when he promised parce Abraham, que toi tu m'as obéi. Because you obeyed me, ta descendance your offspring sera bénie. Will be blessed. Il y a quelqu'un there is someone qui a tout fait pour nous. Who did everything qui a obéi who obeyed à cause de Jésus-Christ. Because of Jesus Christ. Comme il a offert sa vie en sacrifice. Like he offered his life to as a sacrifice. Il a payé le prix. He paid the tout price. Qui était exigé. Or was à cause de lui. Because of him. Le Seigneur nous a promis. The Lord qu'il ne nous abandonnera pas. He will not forsake us. Même quand le monde. Even when the world. La tension peut monter. The tension can. Et les bombes sont prêtes à exploser. The bombs are ready to explode. Mais quand nous regardons aux promesses, but when we look to the promises, nous disons que peut me faire un homme. We say, le Seigneur est avec me? Nous. The Lord is with us. Et quand vous lisez dans Hébreux 13 là, when you read in Hebrews 13, regardez comment puisque j'insiste sur ce mot se laisser convaincre. Look how because I'm saying this way, let yourself be convinced. Regardez comment Paul a présenté ça. Look how Paul is presenting this. Quand vous prenez les deux versets 5 et 6, il dit, ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Amen. Et maintenant au verset 6, il dit, verset 6. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, amen. Amen. Soyons convaincus. Let us be convinced. C'est avec assurance. It's with assurance. Il dit c'est donc avec assurance. Après avoir entendu ça, after c'est avec this, assurance que nous pouvons dire. It is with assurance that we could say, le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien. Amen. Que peut me faire un homme? What can a man do? Il est mon aide. He's a model. Pourquoi nous écoutons la parole? Je l'ai dit dès le début. What do you listen to the word I said? Vous connaissez déjà ce qui concerne votre salut. You know what is concerning your mais salvation. Mais nous voulons toujours nous laisser convaincre. We would like always to pour be convinced. Ne pas laisser un petit espace au doute. So that you cannot
leave a space of doubt. La foi vient de ce qu'on attend. Faith comes from hearing. La foi est une ferme assurance. Faith is a firm assurance. Et nous voulons avoir cette ferme assurance. And we would like to have that firm assurance. Des choses que nous espérons. Of things that we hope et for. C'est pourquoi, bien-aimés frères, that is why, beloved brothers, c'est avec assurance que vous devez dire ça. Is with assurance that you have to say que this. Que voulez-vous que Dieu vous parle pour que puissiez laisser les soucis? Why do you want the Lord to talk, to speak of, so that il you can stop dit, worrying. He's saying, Matthieu chapitre 6, Matthew, je pense le verset 26, I believe, il dit, regardez 26, les oiseaux du ciel, you see, look at the birds of vous heaven. Tous qui êtes ici, you all montrez-moi here. Un champ, show me a field, que les oiseaux ont semé, that the birds saw, ils ont cultivé quelque part, that they worked, mais Dieu les nourrit chaque jour, but God feed them every day. Et le Seigneur dit, and the Lord is saying, vous ici, vous valez plus que les oiseaux du ciel. You here have value more than the birds of heaven. On les ramasse, on les semble là, tout un tas pour les vendre à un sou. They gather them so that they can be sold. Mais Dieu les nourrit. But God feeds et them. Et vous, and you, ne valez-vous pas que les oiseaux du ciel? Aren't you are you not valuable more than the birds il of heaven? Parle, vous vous souciez des habits, tout you ça. You are worrying about clothes. He did no. He said regardez no. La fleur de lys. Look at the. Même Salomon dans toute sa gloire. Even Solomon in all his glory. Il n'était pas aussi vêtu. He comme, wasn't dressed. Comme cette like, fleur de like this flower of lily. Pourquoi? Why? Dieu prend soin de la fleur. God is taking care of the et flower. Et vous, quand vous voyez toutes ces choses, when you see all these laissez-vous convaincre. Let yourself be convinced. Laissez-vous convaincre. Let yourself dites, be convinced. Dites, Seigneur, say, si Lord, Dieu prend soin if I take care de toutes ces choses, of all these things, ces herbes qui vont faner, all these trees which will, ces oiseaux qui n'ont pas d'âme, with all these birds who don't have a soul. Non, à plus forte raison, l'homme créé à son image. How much more the man non, created bien, in frère, his image. Arrêtons l'incrédulité. Let's laissons nos cœurs être convaincus. Let our heart be convinced. Et que les paroles de grâce entrent en nous. That the word of grace que enter nous voyons in us, la grandeur de Dieu. That we may see the et la petitesse de l'homme. And the smallness que of nous man, puissions nous effacer, that we may erase que l'honneur et la gloire reviennent à notre and Dieu. Honor and glory come to our Lord. Oui, bien-aimés frères, yes, beloved brothers, que nous puissions nous tenir aussi dire, let us stand and say, malgré le vent, les problèmes qui peuvent arriver, no matter the problems that may come, dire je suis convaincu, say that I'm convinced, que le Seigneur m'a dit, that the Lord has je ne te délaisserai point, that I will, je ne t'abandonnerai point, I will never forsake you. Dans les situations, in the tu t'exhortes, tu dis ça. Exhorting yourself, mon âme parle à toi-même. My soul speak to yourself. Tu dis à ton âme pourquoi t'as battu au-dedans de moi. It's telling yourself why. Le Seigneur m'a dit. The Lord je ne te délaisserai point. I will never je ne t'abandonnerai point. And I will never forsake you. Il va prendre soin de moi. He will take care of il y aura une solution. There will be a solution. Il est au contrôle de tout. He's in control of all. Tu parles et tu dis avec conviction. You speak with conviction. Que je sais. That I know. Et je suis convaincu. And I'm convinced. Que Jésus-Christ. That Jesus Christ. Est le Fils de Dieu. Is the Son of God. Ce n'est pas que j'ai appris. It's not that I learned. Je le crois de tout mon cœur. I believe it with all my heart. Je crois qu'il est mort. I believe that he died. Et qu'il était ressuscité. And he is risen. Quand il mourait. When he was dying. Moi j'étais en lui. I was in him. Je suis mort avec lui. I died with him. Comme il est ressuscité. As he is risen. Ma vie ce n'est pas tout ce que vous voyez. My life is not ma all that you see. Ma vie est cachée au ciel. My life is hidden in heaven. Je suis dicté du ciel. I am in. Et c'est pourquoi je m'affectionne aux choses du ciel. That is why I watch over. Ma vie est cachée en Christ. My life is hidden in Christ. Amen. Amen. Être convaincu. Be convinced. Que la Bible. That the Bible. Quand nous disons la Bible est la vérité. When we read that the Bible is the truth. Qu'il n'y a point d'autre. There are ce no pas other. C'est pas quand on peut lire quelque chose. It's not that when we can read something. Comme nous l'avons lu au début. As we read at the beginning. La parole de Dieu est utile pour convaincre. The word of God is useful to convince. Alors, on ne peut pas lire une écriture ici et la discuter encore. We cannot read a scripture non. Here and argue non, non. About it. Il y a une chose d'ailleurs que vous ne savez pas pourquoi le Seigneur laisse ça venir dans l'église. There's something that you don't know why the Lord is allowing it to come into the church. Quand vous voyez par exemple les dons de prophétie. When you see the gift of prophecy.
qui est la science des mystères. Which is the science of mystery. Pourquoi Dieu permet qu'il y ait des prophéties dans l'Église? Why is God allowing that prophecy? Paul dit que Paul si tout le monde parle en langue, if everyone speaks in tongues, il dit ce n'est pas une mauvaise chose, ils s'édifient eux-mêmes. It's not a bad thing, they are edifying themselves. Mais quand il y a les prophéties, when there is a prophecy, dans l'église, in the church, c'est dans un seul but. It's for one convaincre. Goal. It's to convince. C'est ce que dit la Bible. That's what c'est the Bible says. Convaincre. It's to convince. La parole de Dieu est pour convaincre. The word of God is le to convince. Le don de prophétie c'est toujours pour convaincre. The gift of si prophecy is to convince. Si quelqu'un a péché, bon, on peut lire ça. Let's read this. 1 Corinthiens. 1 Corinthians. Au chapitre 14. Chapter 14. Le verset 24. Verse 24. Il dit, mais si tous prophétisent et qu'il entre un non-croyant ou un simple auditeur, il est convaincu par tous et il est jugé par tous. Amen. But if all prophecies and an unbeliever outsider enters, he is convinced by all, he is called to account by all. Les secrets de son cœur sont dévoilés, de telle sorte que tombant sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. The secrets of his heart are disclosed, and so, falling on his face, he will worship God and declare that God is really among you. Amen. Amen. C'est le but pour lequel Dieu permet les prophéties. This is the bit. C'est toujours the pour convaincre. Is allowing the prophecies. La parole de Dieu c'est pour convaincre. The word of God is to convince. Et quand il y a prophétie, and when there is a prophecy, un véritable don de prophétie. A genuine gift of je prophecy. Je ne parle pas des aventures que font les gens. I'm not talking about oh, tel tu es sorcier. L'autre dit non, moi je ne suis pas sorcier. The other say you are a witch and the other ça, say ça I'm n'existe not. Pas. That doesn't exist. Quand Dieu convainc, when God convinces, c'est-à-dire qu'il te donne des preuves. Which means he gives il you the dit, proof. Tu as fait ça, tu he étais. You comment done tu this? Vas douter? Tu es convaincu. How can you doubt? You are convinced que c'est vraiment moi. That it is me. Et tu abandonnes. And you for, tu dis en tout cas Dieu au milieu de ces gens. And you say God mais is among these people. Une prophétie venant de Dieu. A prophecy coming from ambigu, God. Ambigu qui crée les gens de confusion. Which ça, is ça creating confusion that is not from ce God. Ce qui vient de Dieu what is est coming clair. From God is clear. Et la Bible dit. And the Bible says. Celui qui entre au milieu de vous. The one who comes among you. Les secrets de son cœur sont dévoilés. The secret of il their est heart are disclosed. They are convinced que Dieu est réellement au milieu d'eux. That God is among il them. Ne peut pas douter. He cannot doubt. C'est une prophétie vraie. Il voit les secrets de son cœur sont dévoilés. See the secret of his heart are disclosed. Et regardez Jésus avec la femme samaritaine. See Jesus with est-ce qu'il y avait moyen de discuter? Was there a way of? Il dit, va m'appeler ton mari. He said, go and call your husband. Cet homme, qu'est-ce qu'il s'est fait? Said, il dit, je n'ai pas de mari. Said, il dit, tu as dit, said, il commence à lui raconter. Right. Tu en as eu autant. Said, you have mais celui so que so. Tu as là, and ce n'est qu'un boyfriend. Have, is a boyfriend. Ah, il dit, non. Cet homme, il said, m'a dit toute ma vie. This man has il était convaincu. She was convinced. Regardez quand, qui c'est, Pierre est venu là. See, when on lui dit, tu es Simon. They told him ton père. Ton père est Jonas. Your father is Jonas. Comment il peut douter? How can he doubt? Nathanael arrive, on lui dit. Nathanael came and they toi, told him. Tu es un juif, il n'y a pas de fraude. Il dit, mais you are a Jew and quand there is tu étais, no fault il ne dit pas en dessous des manguiers ou quoi non. Said, en dessous this, du figuier. He said, on, avant on, que Philippe, under the fig tree, il voit les gens venir, ne sait pas qui l'a appelé. Before il Philippe, dit, avant que Philippe ne t'appelle, moi je t'avais vu. He said, before Philip called you, I saw il you. Dit, non, ça c'est... Comment on peut douter? How puisque can we tout, doubt? Tout est dévoilé. Everything is disclosed. Ça c'est Dieu. This is God. Et Dieu le fait pourquoi? Pour convaincre. And God is doing this to convince. Et quand il y a les dons de prophétie, when there are gifts of que ça soit le discernement, be it c'est pour convaincre. Is to convince. L'écriture c'est pour convaincre. The scripture is laissons to convince. Nos cœurs être convaincus. Let our heart be convinced. Amen. Amen. Que vraiment nous sommes au temps de la fin. That truly we are at the end of time. Il y en a qui parlent bien de mes frères. Yeah, those dans that des situations ils les renient. In a situation ils they le deny. Message, they deny the message. Tout à l'heure. Like ils peuvent renier. Saying, ah non tout c'est bon. They can deny non. The word. Soyez sûrs. Let's be sure.
Que Dieu a parlé en ce temps. That God spoke que in these nous sommes times, au temps de la fin. That we are at the end of times. Le Seigneur Jésus revient bientôt. The Lord Jesus is coming soon. Amen. Amen. Que la parole de Dieu et la Bible est la vérité. Let the word of God in the et Bible que be the moi-même truth. Étant convaincu, je crois à chaque parole. Myself being convinced, I believe je ne doute à aucune. I don't doubt of any. Même celle qui me condamne, je le crois. Quelle est la vérité? That is, it is the truth. Dieu est vrai. God is true. Amen. Amen. Oui, bien-aimé frère. Yes, beloved brother. Si nous sommes convaincus de cette manière, if you are convinced in nous this pouvons way, rendre témoignage aux we autres. Can testify to nous others. Pouvons en parler. We can speak. Et nous sommes tellement sûrs que quelqu'un ne peut so pas sure renverser that. Notre nos pensées that no one can avec confuse sa petite our philosophie, non. With their little philosophy. Et regardez cet enfant-là qui était né aveugle. Look at this, child on a tenté de se jouer. Il avait fait une expérience. He had an experience. Il dit, mais comment vous voulez que je puisse l'injurier? How can you oh say non, that I should insult him? Give c'est glory un imposteur. To God. He is an imposter. Il dit, non, comment? He said, no. How? Dieu n'exauce pas les pécheurs. God does not exhaust moi, je sinners. Ne voyais pas. Was, maintenant, mes yeux voient. But now et vous voulez que see. Je puisse dire que c'est un imposteur? And you want me to pour say moi, c'est un prophète. For me, he's a prophet. Il était convaincu he was par l'expérience qu'il a faite. Est-ce que vous pouvez aussi le dire? Can you also dire say, que, frère, say, ce que brother, je vous dis, what vous I'm ne saying, connaissez pas ce qu'était ma vie. You don't know what my life ma was. Vie était mauvaise. My life was quand bad. J'ai reçu la vérité, when I ma vie truth, a changé. My life changed. Jésus est réel. Jesus Jésus is real. Transforme. Jesus Jésus donne la vie. Jesus gives life. Maintenant, j'ai la paix. Now I have peace. Parce que tu es convaincu. Because you are convinced. On ne peut pas se jouer de toi. No one can play with you. Cet homme-là, il parlait calmement. That guy was quand il continue, calmly. Il dit, bon, vous voulez encore devenir ses disciples? Do you want to je vous ai déjà dit, vous ne voulez pas croire. I told you vous already, voulez but you don't continuer à me poser des questions comme moi. You just want to question je suis me tellement why. Convaincu que I'm convinced vous connaissez tout ce que je ne voyais pas. You all know that I maintenant, see. Mes yeux voient. But now my eyes can vous voulez see. Que je puisse dire que c'est un imposteur you want me to say that he's an imposter? Why? Et vous tous qui avez goûté à cette parole de vérité. You all who taste this comment word of quelqu'un truth? Peut vous dire que non, c'est une fausseté? How can somebody tell you that this is vous false? Savez ce que vous croyez avant. You knew what et you maintenant believed before. Vous savez ce que vous croyez and now en you réalité. Know what you are believing vous now. Savez que la Bible est devenue claire. You know that the Bible has vos yeux clear. Voient. Your eyes can see. Amen. Amen. Comment on peut vous dire que c'est la fausseté? How can they tell you that this is false? Non, c'est devenu ce livre est devenu clair. The Bible has become il n'y a clear. Plus d'ambiguïté. There is no confusion. Il n'y a plus de confusion. Tout there est no clair. Confusion. Everything is que clear. L'honneur du Seigneur soit loué. May the name of the Lord be glorified. Mon souci pour vous, bien-aimés, ce soir, my worry this evening, c'est que nous puissions nous laisser convaincre. That let us be convinced. Et que nous marchions avec des convictions. Let us walk with les convictions de la parole. The conviction of the non word. Pas mes propres convictions. Not by my own il y a des gens avec une haute opinion. There are people that avec have un a caractère. High opinion ce n'est pas de cela que je parle. It's not about that that c'est I'm de speaking. Ça à la parole. Leave that to the word. Ce qui est de la parole de Dieu, those that love the word prenez of God, ça comme pour vous-même take it as et for marchez yourself avec ça. And walk with et it. Comme je l'ai dit aussi, as I said also, et comme le présente la Bible, as the Bible seul le Saint-Esprit peut nous convaincre. Only the Holy Spirit can convince us and all righteousness, convaincre nos cœurs. Convince our heart. Que nous puissions prier ce soir, that we may pray this demandant evening, au Seigneur, asking the Lord, Père céleste, Heavenly Father, convainc aussi mon cœur, convince my heart, que Jésus-Christ est mort pour moi, that Jesus Christ died que for cette me, réalité soit vécue that dans this ma reality vie. Be lived among j'ai us. Des doutes encore sur ta parole. I have doubts upon your word. Expose ton cœur, et le Seigneur est fidèle pour nous secourir. And the Lord nous allons nous lever et prier ensemble. Let's all stand and pray together. Nous recommandons nos vies au Seigneur. Let's recommend our lives to the Lord. Sachant qu'il écoute les prières. Knowing that he hears our prayers. J'abandonne tout. I surrender all. C'est le numéro? Je... 20? 25. Jesus, I surrender all to him. I
première strophe. Oh, to Jesus, bien-aimé notre Père Céleste, à toi nous venons, Seigneur, tel que nous sommes. Venons, Seigneur, grand Dieu, ô Père. Nos cœurs, ô Dieu, sont exposés devant toi. Tu nous vois, tu nous connais. Tu connais les pensées de nos cœurs. Rien n'est caché devant toi. Nous nous offrons à toi, Seigneur. Laisse que, ô Dieu, ton esprit puisse nous convaincre de toute justice. Ton esprit puisse nous convaincre, Seigneur, bien-aimé, du péché, puisse nous convaincre du jugement. Il n'y a que lui seul qui peut le faire en nous. Grand Dieu, ô Père céleste, nous sommes très convaincus, Père, que ton avènement est si proche, ton retour est réellement à la porte. Nous te demandons, Seigneur, de nous éveiller toujours, Père, de nous tenir toujours en éveil, afin que nous ne puissions pas, ô Dieu, sommeiller, ni tomber, mon Dieu, dans les distractions. Père céleste, convainc nos cœurs de ta vérité. Convainc nos cœurs de l'œuvre de Golgotha, de ce qui a été accompli pour nous par Jésus-Christ, notre Sauveur. En lui, nous avons le salut. En lui, nous avons la rémission de nos péchés par son sang précieux. En lui, Seigneur bien-aimé, nous avons été réconciliés avec toi.